plus instinctif, le dernier homme, c'est plus qu'un homme, c'est presque un dieu. Hein? Vous n'êtes pas le personnage. Quittez le plateau, allez, renvoyez. Quoi? Vous n'avez pas le génie de ça. Ah oui, mais enfin, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Comment je n'ai pas le droit? Mais le dernier homme, c'est moi. Alors, c'est Wilson, le dernier homme. Oh là, la caméra vers moi, la caméra. Les projecteurs sur moi, la caméra sur moi, vers moi, là, oui. Oh, création, moment privilégié, regarde-moi. Oh, mon gros caillou, c'est moi, Wilson, le seul et l'unique metteur en scène du monde. C'est moi, qui est là, c'est lui, qui est là, c'est lui, Wilson. Mais oui, madame, mais oui, mon gros caillou. Quelle honte! Je suis ridiculisée. Adieu. Je vais me tuer. Je vais me foutre en l'air. Comme ça, ils m'emmerderont plus. Il va se tuer. Bah, c'est ce que tu voulais, non? Non, je voulais le tuer, moi. Je veux pas qu'il se suicide. C'est sympa comme gag, hein. Des gags comme ça, mal à des paquets. Ah ouais, ouais, ouais. Le type qui s'évade de prison en plusieurs morceaux. Un jour la main, l'autre jour le pied, en colis, par la poste. Alors sa femme, elle le reçoit en kit à la maison, elle le reconstitue peinarde. C'est bon ça? Ça vous plaît pas? Non, attendez, attendez, on en a d'autres. Et le pendu qui s'est raté? Il va se confesser, il y a le curé qui lui dit ouvrez la Bible. Il ouvre, il y reprend toi, il se reprend. Ça vous plaît pas? Attendez. Le gag qui tue, le gag qui tue. Oh, oui, oui, oui. Alors là, toute la France en parle le lendemain. C'est un présentateur de télé dans une émission anodine. Et puis alors tout d'un coup, il y a un bruit bizarre, inquiétant, une espèce de ronflement. Oui, alors très 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 réaliste, le type il décroche, le présentateur.